cette spirique, mais regardez. Donc voilà. Regardez le full lace que je vous ai dit au départ. Look at this. Les cheveux, c'est vraiment plein. Donc c'est pourquoi chez Arabella, vous allez trouver des perruques qui vous conviennent sans pour autant mettre déjà beaucoup de colle. Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi, c'est Adrienne, Première Dame. Aujourd'hui, voilà, je vous ramène une vidéo. Pas comme toutes les autres. Vous savez bien que Adrienne est toujours dans ses games des cheveux naturels. Je vais vous mettre quelques de mes photos. J'aime toujours vraiment ce côté naturel, mais deux fois aussi, nous avons des perruques. Pourquoi pas, hein? Je vous ramène une vidéo que nous allons mettre la perruque sur ma tête. Je vais vous montrer comment, j'essaye de styler mes perruques, comment je porte les perruques lorsqu'il s'agit de porter des perruques. Vous-même, vous savez, il y a beaucoup de compagnies, beaucoup de compagnies sur AliExpress, partout là on vend des cheveux et tout, notamment sur Instagram. Donc voilà, si tu es pas, tu n'es pas expert en acheter les perruques facilement, tu peux t'égarer facilement, tu peux perdre ton argent facilement, voilà. Donc comme j'ai déjà quelques perruques que je porte, je sais, c'est que ça veut dire avoir une bonne perruque. Et aussi avec ma copine Pauline qui est dans ces marchés des ventes de peau de perruques, vraiment elle m'a conseillé que le perruque des Arabella, ce sont vraiment des perruques top qu'elle-même elle a déjà acheté, elle a déjà utilisé et tout et tout. C'est pourquoi aussi cette vidéo, c'est en partenariat avec la marque Arabella Hair. Je vous ramène ces cheveux parce que je les ai touchés, je les ai vus, j'aime, et je me suis dit pourquoi pas vous montrer. Si tu es dans cette amour avec les perruques, tu aimes mettre les perruques, pourquoi pas porter, pourquoi pas acheter tes perruques sur leur site. Comme ça tu vas voir, tu vas prendre exactement le même perruque que tu vois sur les mannequins. Je vous jure mes copines, il y a d'autres compagnies, il y a d'autres AliExpress pages. Hein. Tu vois la perruque sur le mannequin. Ok, tu aimes la perruque, tu as vu ça dans des photos et tout et tout. Il y a des Instagrammeuses qui ont fait de publicité, tu as aimé. Mais tu achètes ta perruque, on t'envoie une autre perruque différente et tu te dis, oh my god, c'est n'importe quoi. Mais va avec Arabella. Et ils vont t'envoyer exactement cette même perruque que je vais vous montrer. Voilà, après avoir placé ma commande, ça a pris 5 jours. 5 jours seulement pour recevoir ça. Et la bonne nouvelle, et ils envoient par DHL. Donc 5 jours plus tard, si tu es en Europe, tu achètes ça, tu vas recevoir ça 5 jours plus tard. Je vais ouvrir le box, comme ça vous également, vous allez voir ce qui se trouve dans le box. Les cheveux, ça vient déjà comme ça, ok, comme vous pouvez voir là. On va ouvrir ça pour voir. Rappelez-vous, ça prend justement 5 jours. Si tu es quelqu'un de lastminute.com, tu aimes faire tes trucs un peu, you know, last minute comme moi, tu n'as pas à t'en faire en fait. J'aime déjà le packaging, is good, parce que c'est rose, un peu pink, ok. Oh my god, ils m'ont même envoyé, ok, free lashes. Ils ont même mis les faux cils. I'm just loving this, dans leur colis. Donc tu as déjà une paire de cils gratuit qui va avec la perruque. Et ici, il y a quoi? Oh my god, une autre, ok. Et ils m'ont envoyé exactement le cap qui va de près avec mon teint. Je vais ajouter un peu de fond de teint. This is the edging brush. Ça, c'est juste pour le baby hair. Et quelques accessoires. This is so kind. Et ils ont aussi envoyé this elastic band. Ensemble avec vous, c'est déjà le numéro 24. Ok. J'avais pris le middle part. Ce qui va au milieu là, ce qui c'est facile, rapide et simple. Je vous ai dit comment cette perruque est full, ok. Vous allez découvrir ça avec moi. C'est pas que tu achètes ça
C'est différent avec ce que tu vois dans leur website. Les compagnies chinoises, ils font absolument beaucoup de ces genres de jeux. Mais avec Arabella Hair, avec leurs cheveux, vous allez voir la densité. This hair is full. Bon, moi, je suis full, il y a autant. Oui, ça, quand on pendit mon corps. Et puis, regardez-moi ça. Les cheveux est juste too full, ok? Donc, regardez cette perruque, c'est que ça donne déjà. Je tenais à ouvrir ça comme ça, comme ça. Vous aussi, vous allez voir. Si même tu as la grosse, la petite tête, this is an elastic band, ok? You're gonna get your hair secure pour sécuriser ta perruque. Moi, j'aime ça parce que les gens qui me connaissent, je ne vais pas trop mentir, je ne suis pas trop genre stylé les perruques compliquées et ils ont déjà enlevé les petits baby hair. Donc, toi, tu prends ça, tu coupes seulement le début ici, tu mets ta perruque, c'est bon. Regardez, ok, regardez comme c'est long parce que moi aussi, je suis élancée. Déjà, 24, c'est bon. Si tu veux encore plus long que 24, tu vas toujours trouver... Regardez comme ça se trouve déjà, ça se positionne comme ça. Pour mettre une perruque réussie, pour que ta perruque puisse vraiment être bien, rassure-toi d'avoir des cheveux en bas vraiment bien faits. Je vois des gens porter des perruques avec de gros cheveux, genre 4. Moi aussi, je l'ai fait également, genre 4, 5. The wig is not gonna be laid down. On veut mettre cette perruque comme de pro, rappelez-vous. Donc, c'est vraiment important de mettre... tes cheveux dans de bons états. Rassure-toi d'avoir des cheveux et que les cheveux puissent être vraiment bien faits. Là, nous allons prendre notre Got to Be Ultra Glue. On va maintenant mettre ça juste ici au fond parce que c'est là où nous allons diviser le cheveu juste au milieu ici. Donc, je ne vais pas mettre ça everywhere. Je vais juste mettre ça ici au-dessus. Got to Be Glue, ok? Donc là, la tête est déjà prête. J'ai arrangé la tête et tout et tout. Nous sommes maintenant en position de placer notre perruque. Maintenant, je vais porter la perruque. Regardez comme elle est là. You just don't even need to do a lot. Tu n'as même pas besoin, je ne sais pas moi, de faire trop. Donc voilà, je vais maintenant mettre la perruque. Pour avoir cette perruque exacte, vous allez... voir ça dans la description, ok? Donc rassurez-vous d'abord que votre tête puisse être comme ça. Et en deuxième lieu, on a l'elastic band. Laisse-moi vous dire, c'est ma toute première fois de mettre cette perruque, mais regardez,
Donc voilà, déjà ce que je vous ai dit sur leur fullness, thickness et la longueur, ok. Donc là, comme je vous ai dit, avec Arabella Peric, tu n'as vraiment pas, you just not gonna need to do a lot, tu vas pas vraiment beaucoup faire, parce que même si tu n'es pas pro, tu seras à mesure de faire ce que je viens de faire. Donc là maintenant, nous allons couper l'excès. Donc si tu es quelqu'un comme moi, je n'aime pas du tout porter mes perruques avec la colle. Donc, c'est pourquoi chez Arabella, vous allez trouver des perruques qui vous convient sans pour autant mettre déjà beaucoup de colle. Parce qu'à mon avis, lorsqu'on met la colle encore ici, et juste après, ça abîme la perruque. Ok, donc là, je vais m'approcher. Comme ça, on va couper ça. Je suis en train de couper ça, donc genre zigzag, ok, pour ne pas, au fait, pour éviter que ça puisse juste faire un, juste en ligne, quoi. Une fois que je vais couper ça, je vais maintenant mettre le fond de teint à l'intérieur pour que ça puisse maintenant correspondre avec la couleur de mon teint. Je vais mettre le fond de teint à l'intérieur de la perruque. Je voulais juste d'abord couper ça pour ne pas mettre le fond de teint partout. Raison pour laquelle je coupais maintenant, nous sommes en position de mettre là le fond de teint. Voilà, donc là la perruque elle est prête pour être portée. Je vais maintenant porter ça and we're gonna, je vais maintenant après on va faire notre baby hair. Regardez déjà ce que ça donne. Donc voilà, ici j'ai la colle Lay to Rest. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une perruque que nous n'allons pas mettre la colle parce que la perruque est déjà bien assise. Donc voilà, elle est trop collée. On n'a pas besoin de la colle. Si je fais comme ça, la perruque ne va pas tomber. Au moins, si quelqu'un les tire vraiment. Donc là, maintenant, nous allons commencer à styler notre perruque. Regardez le fullness que je vous ai dit au départ. Look at this. Les cheveux, c'est vraiment plein. Comme vous pouvez voir, c'est de l'autre côté aussi la même chose. Ok? Donc là, je vais couper le baby hair. Nous allons styler le baby hair. On va mettre notre lisse. On va mousser le cheveu and we're good to go. Coupé
Céline, cette étape, c'est vraiment facultatif. Donc, tu peux faire ça, tu peux faire ou tu ne peux pas faire parce que déjà, avec les middle parts, hein, voilà, tu n'as pas vraiment besoin de faire les baby hair. Mais voilà, pour moi, I'm just doing it. Je voulais juste créer quelques baby hair, voilà, comme ça. Et donc, you know. Mais si tu n'es pas confortable à recréer quelque chose comme de baby hair, tu n'as pas des équipements, tu n'as pas de produits qu'il faut, avec cette perruque, tu peux juste t'arrêter là et mieux que. Bon, pour mon cas, je vais juste mettre la mousse que j'ai achetée chez Amazon. Ok, je vais juste styler les cheveux un peu des... juste pour donner ça un petit look naturel. Ok, vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pas a full frontal. Ça, c'est juste a middle part. Ok, donc c'est pourquoi vous allez voir les baby hair et ses limites qui est là où vraiment le pas est vraiment quoi. Donc, on essaye de mettre notre mousse. J'aime vraiment ces mousses. J'ai acheté ça chez Amazon et puis c'est juste impressionnant. Surtout pour les gens qui n'aiment pas vraiment... si tu es comme moi, hein, moi je ne dors pas avec la perruque. Je mets ça aujourd'hui, j'enlève ça avant que tu puisses dormir. Donc, ça c'est vraiment bien. Ça ne colle pas, ça ne fait pas trop mal et tout et tout. Je vais vous mettre aussi les liens de cette perruque directement sur leur site. Comme ça, vous pouvez aussi voir. En tout cas, j'ai mis cette perruque pendant déjà 2 semaines. Et I'm just loving this. Ça, c'est juste le voice-over que je suis en train de mettre parce que je vais publier cette vidéo aujourd'hui. Mais comme vous constatez, cette perruque, j'ai reçu beaucoup de compliments et tout et tout. Les cheveux ne se cassent pas facilement. Les cheveux, juste là, elle est vraiment full et tout. Donc voilà, là, j'ajoute un tout petit peu de mousse, hein, parce que cette perruque est aussi nue. Vous savez, lorsque tu as une nouvelle perruque, c'est un peu différent que des perruques que tu as déjà utilisées. So we're just trying to style it. On essaye de styler ça. Là, je vais juste sécuriser ma tête et puis quelques baby hair que je venais de créer. Enfin, que je puisse faire les curly. Enfin, que je puisse, you know, to comb, straighten and all of the good things. Ok, donc cette étape, vraiment, c'est facile à suivre, facile à voir et à refaire à la maison. And I know what love is like, the phases of the moon. Voilà, là, je vais juste faire passer mon pencho. J'ai juste fait passer mon pencho et j'ai fait ça section par section et partout. Parce que c'est une nouvelle perruque, comme je vous ai dit, comme vous avez vu. So, we're just trying to lay the hair. Je veux que les cheveux puissent vraiment être bien l'un sur l'autre. Je tiens aussi à signaler, lorsque tu utilises ce genre d'équipement, il faut faire très attention. Il ne faut pas déposer ça sûrement dans des surfaces comme tapis et tout, sinon ça risque de brûler. Et tout. Ne dépose pas ça n'importe où. Je vous parle par expérience. Et aussi, il faut faire attention, surtout avec le deuxième là que je vais utiliser pour boucler mes cheveux. Tu risques de te brûler les oreilles par-ci, par-là. So, it's not good, ok? Après avoir fait ceci, voilà, je continue toujours, juste dans les soucis que les cheveux puissent être vraiment bien. Je prends un peu de fond de teint pour remettre là où on avait mis notre hair mousse et tout, on retourne un peu de fond de teint. Et je prends encore un petit concealer que je vais mettre, je vais créer juste un petit ray, un ray. Faut me dire, je crée ça pour que ça puisse vraiment faire un petit peu naturel. Voilà, this is a bad boy, ça m'a déjà brillé une fois. Mais aujourd'hui, j'ai été trop prudente. Parce que ça bouclait absolument bien les cheveux. Et this is a hair stick. Hair stick, ça a été recommandé par Pauline Tatapo. Parce qu'elle est vraiment dans cette marché, dans ces marchés des perruques. Elle s'en sort bien. Donc, and this is so good. Là, je suis juste en train de faire maintenant... tu vois, tout ce qui est les petits cheveux qui ne dorment pas là, les petits cheveux rebelles là, c'est à cause de ces sticks aujourd'hui qui vont rester en paix. Rest en paix. Oh my God, this is funny. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I sing about the good days we had, but they were bad days too. And I know what love is like.
voilà, comme je vous ai dit, Arabella Hair, vous pouvez la retrouver sur Instagram, vous pouvez aussi la retrouver sur AliExpress. On s'en va dans le box là où on achète des perruques, dans les 500, plus de 500 dollars et tout et tout. L'air chauffé, c'est bien, c'est dans le monde. Ils ont même la promotion qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher leur website. Cette vidéo tend déjà vers la fin. Laissez les thumbs down. YouTube a même fermé les thumbs down. Donc vous n'avez plus le choix. Thumbs up mes copines. N'oubliez pas de mettre en commentaire quel est ton style de perruque. Est-ce que tu es plutôt perruque noir, perruque couleur? Sûrement j'y reviendrai avec des perruques couleurs. Voilà, c'était bel et bien Adrienne, première dame en partenariat avec Arabella Hair Official. On se retrouve très bientôt. Continuez de suivre les vidéos, restez abonnés. I love you guys. Bye bye. We'll be right back.